Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 business que personne n'en parle. Ça te permettre de gagner 500 euros par jour, voire plus, sans aucune compétence, que tu aies déjà lancé du business auparavant ou pas. Pour réussir, il vous suffit juste de choisir un business et de vous lancer. Alors, comme premier business que je vous propose, c'est la vente et la création des tableaux. Je m'explique. Alors, tous ces détails sur les réseaux sociaux, vous voyez pas mal de gens qui font des tableaux, qui créent des images en dessin et c'est très très beau, très très joli. Grâce aux nouvelles IA qui viennent de sortir, il y a plein d'intelligence artificielle qui vous permet de faire cela. Alors, choisissez juste le bon outil d'intelligence artificielle pour transformer des photos en dessin ou rendre des photos en tableau. Choisissez le bon outil et créez une plateforme Shopify ou allez sur YouTube, tapez des tutos. Vous allez voir plein de sites où vous pouvez vendre en freelance. Alors proposez vos services. Proposez vos services sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Vous n'avez pas besoin de faire des vidéos, juste vous filmez une photo avant et après. Par exemple, tu prends la photo d'origine, tu mets et tu mets après. Comment tu as transformé la photo en dessin et puis en bas tu mets ton numéro de téléphone. Je vous assure, après vous flaquez ça sur un tableau tout beau, vous sortez. Je vous assure que si vous lancez ce business, vous pouvez avoir plus de 500 euros par photo. Ça dépend de la personne qui se présente devant vous et ces photos sont à la demande des gens qui souhaitent transformer des photos de famille en dessin. Quand je dis dessin, c'est du genre dessiné à la main. Donc genre comme si c'était une photo vraiment qui a été dessinée à la main et tout et tout et tout. De nos jours, tu n'as plus besoin de connaître dessiner pour faire des très beaux tableaux, des très beaux chefs-d'œuvre. Il y a plein et énormément d'intelligence artificielle qui peuvent te permettre de réaliser cela. Ça, c'était le premier business. Alors le deuxième business ici, c'est tout simple et tu peux te faire un max d'argent derrière ce business. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer en boîte de nuit étant sous et que vous avez très très faim, rapidement vous mettez n'importe quoi au feu pour tourner, puis manger pour calmer le ventre et puis dormir? Ça vous est déjà arrivé? Alors c'est le sujet de notre deuxième business. Alors notre deuxième business ici va consister à faire des petits menus tout simples, faciles et qui ne dérangent pas, qui est convoité par tout le monde, que tout le monde aime. Par exemple, ça peut être des sandwichs, ça peut être des shawarma, ça peut être des hamburgers, etc., etc. Un truc léger que tu peux porter et te placer chaque soir devant les quartiers chic où il y a de l'ambiance, où il y a le mouvement, etc., etc. Crois-moi, sur parole que ce business marche énormément. Tu peux, par exemple, si tu n'es pas un bon cuisinier ou bien si tu n'as pas de talent, tu peux partir dans les supermarchés, acheter moins cher. Par exemple, si tu achètes un sandwich à 1,50€, tu peux revenir dans la rue et vendre peut-être à 3€, 4€, 5€. Mais n'abuse pas sur le prix parce que, bien évidemment, c'est fait à 2h, 1h. C'est un peu une crèche catholique pour trouver ça n'importe où. Donc, du coup, ce qui fait en sorte que tu seras le seul. Essaie un peu de te démarquer. Tu pars dans toutes les boîtes de nuit. Tu trouves des vents, on fait des charmes, poissons brisés. Mais essaie de trouver une touche, un truc qu'on ne vend pas et tu sors du lot. Essaie de te faire remarquer. Et à côté de ça, tu peux ajouter des boissons rafraîchissantes. Quand il dit boissons rafraîchissantes, tu vas me dire, ils sortent de la boîte, ils ont tout vu là-bas, ils ont tout bu. Non. Erreur. Tu peux faire tes boissons naturelles à la maison et puis tu sors les revendre dedans. Donc, ce qui fait en sorte que tu vas vendre un sandwich à, par exemple, 5€, plus ta boisson fait maison à 10 ou 15€. Et ça te fait 15 balles que tu empoches comme ça par client. Par client. Imagine si tu cibles tous les autres et tu n'as pas de taxes, tu n'as pas d'impôts à payer. Juste avec un petit capital de 200-300€, combien? 200€. Moins de 200€, tu lances ton business. Parce que l'objectif ici, c'est de te lancer. Tu te lances un petit business comme ça. Et au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Puis tu vois comment tu vas te débrouiller. Crois-moi, avec ce business, tu peux te faire plus de 1500€ en une soirée. Et tu n'es pas obligé de le faire chaque jour. Tu peux juste le faire pendant ton temps libre ou temps partiel. Même le week-end, tu peux choisir un week-end, samedi, dimanche. Tu sors attaqué de cette façon. Crois-moi que si tu lances ce business, tu as apporté ta touche personnelle dans ce business. Crois-moi que tu vas découler
excessivement. Troisième business que je vous propose dans cette vidéo, c'est de fabriquer un truc à la main et de le vendre sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des coups de vidéo, des chaussures, quand on retouche le design, on met des couleurs, on peint des couleurs, etc. etc. Ça peut être un truc qu'on sculpte à la pierre, ça peut être un truc fait avec de l'argile, etc. etc. Dépendez là de votre créativité. Il vous suffit juste de faire des coups de belles vidéos et les rendre virales sur les réseaux sociaux, plus notamment sur TikTok. C'est sur TikTok que c'est un genre de vidéo qu'on le buzz actuellement. Alors, il vous suffit juste de vous filmer en train de peindre une chaussure, de le redesigner, de le faire à un look d'enfer. Ou soit, ça peut être de retoucher des fauteuils, ça peut être en train de, je sais pas trop, essayer de booster ta créativité. Et je t'assure que mon ami, non seulement, imagine si tu as, non seulement ta vidéo sera virale et en plus ça va te faire des clients sans dépenser. Ça peut être toi en train de relooker ta chaussure, ça peut être toi en train de designer un habit, ça peut être toi en train de faire quelque chose de joli, quelque chose qui va vraiment impressionner les gens. Et je t'assure, tu auras des clients et tu pourras fixer ton prix. Par exemple, j'aime souvent prendre l'exemple sur ce beau business. Il y a un business des filles qui tricotent, qui prennent de la laine avec deux bambous, elles commencent à ricoter. Elles fabriquent des soutiens-gorge, elles fabriquent des bikinis, elles fabriquent des trucs de bain, des trucs vraiment légers, des jupes, etc., etc. Je vous assure que ce business, si tu plonges dans ce business, parce que cette niche n'est pas encore très, très exploitée, si tu plonges dans ce business, je ne dis pas que c'est forcément ça que tu vas faire, mais essaie de voir un truc similaire. Et lance-toi parce que ça donne énormément d'argent. Les gens aiment bien se distraire avec les choses comme ça et acheter. Mon ami, je t'assure que là, tu vas te faire un paquet d'argent. Le prochain business que je te propose, ici, il te suffit juste de mettre en œuvre ta créativité. Il suffit juste de faire de très belles photos et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. Je prends l'exemple. Tu as un bon téléphone qui filme très très bien. Vous allez vous trouver des logements. Vous prenez de très belles photos du salon, de la chambre, de douche, cuisine, de l'immeuble en question et tout, et tout, et tout. Et vous venez, vous asseyez, vous retouchez cette photo. Déjà, ça soit splendide, vraiment. Quand quelqu'un va regarder ça, vraiment, il aura seulement envie d'acheter. Donc, vous faites de très belles vidéos et puis vous venez vous poster sur vos réseaux sociaux. Pourquoi pas sponsoriser sur Facebook, sponsoriser sur Instagram, etc., etc. Et vous faites la communication dessus. Chaque client qui va vouloir visiter l'appartement, vous touchez une commission derrière. Vous pouvez par exemple dire que la visite c'est 10 000 francs ou 15 euros, oui 15 euros, et c'est comme ça que chaque client que tu vas faire visiter l'appartement, tu vas empocher tes 15 euros. Imagine si tu apportes 100 clients ou bien si tu fais seulement visiter, parce que la personne qui va acheter la maison ou bien qui va louer la maison, là-bas c'est autre chose. Là tu auras ton pourcentage avec le vendeur, mais là imagine le nombre de personnes qui vont visiter l'emplacement, qui auront envie de découvrir, etc., qui seront intéressées, etc. Tu te fais 15 euros sans faire d'effort. Alors c'est aussi pareil, vous pouvez le faire avec des mannequins, des maisons, des travaux. Genre par exemple une personne qui tisse, qui fait un truc vraiment splendide, vous l'aidez à filmer et tout, et tout, et tout, et tout, et vous faites la promotion sur les réseaux sociaux. Mon ami, voici un business que je te recommande fortement. Alors, jusqu'ici, n'arrive pas à comprendre tous ceux qui me suivent actuellement sur ma chaîne YouTube. Si jusqu'à présent, vous n'êtes pas indépendant financièrement, c'est parce que vous êtes des gros paresseux. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment chaque jour tu as un téléphone, tu as un ordinateur, tu peux avoir l'un des deux, mais tu n'arrives pas à gagner de l'argent avec, en te servant de ces outils, avec toutes les intelligences artificielles qui sortent maintenant, tu n'arrives pas à t'en servir. C'est vraiment terrible. Le même temps que toi tu passes sur les réseaux sociaux à regarder les vidéos des autres, à t'ennuyer, à flotter, zapper les vidéos, ce même temps-là, il y a un autre qui est en train de prendre ce temps pour réaliser ses objectifs. Tandis que toi, tu l'as, tu... Il n'y a pas de souci. Continue à scroller, continue à regarder tes vidéos sur TikTok, etc., etc. Donc, prochain business que vous proposez ici et que je ne cesserai de vous proposer parce que ça paye énormément, c'est les vidéos. Vous lancez sur les réseaux sociaux en créant du contenu. Alors, si tu vas me dire, tu n'es pas très fan des vidéos, tu n'aimes pas t'afficher, etc., ce n'est plus un souci. Voici une nouvelle intelligence artificielle que je vais te présenter. Alors ici, c'est un site
où tu peux utiliser ces personnages, écris juste un test. Ces personnages vont juste lire le test comme s'ils parlaient à ta place. Il y a un compte sur TikTok qui le fait déjà, qui utilise ce même personnage, ce même système, ce même intelligence artificielle pour faire des vidéos. Alors il suffit juste de mettre un texte sur ce site et ces mannequins vont parler le test à ta place et tu peux enregistrer par la suite ces vidéos. Quel que soit les tests en anglais, en français, tu peux juste leur faire dire un test. Donc après, tu pourras télécharger la vidéo en anglais, français, etc., etc. Donc ce qui fait en sorte que tu vas toucher une grande audience en utilisant cette intelligence artificielle parce que ça te permet ici d'avoir des personnages fictifs. Et il y a encore une version plus améliorée qui permet aussi de prendre ta photo, mettre à ce site, ajouter à ce site. Là, le personnage va te ressembler. Tu peux aussi mettre ta voix. On te donne aussi la possibilité d'ajouter ta voix pour que la personne puisse prendre ta voix et répéter le test que tu as mis par la suite. Alors, si toi-même, tu ne veux pas faire des vidéos, bien sûr, tu ne veux pas te lancer, tu peux contacter les youtubeurs, les influenceurs, etc. Leur faire part du service que, bon, par exemple, tu peux leur permettre de traduire toutes les vidéos en anglais ou en italien ou à une autre langue, en espagnol, etc., etc. S'ils sont d'accord, tu leur proposes ce robot, tu prends juste les photos, tu mets là et leur voix, tu mets là et puis tu écris le test de toutes les vidéos qu'ils ont déjà eu à réaliser sur leur chaîne YouTube. Tu fais juste le test en anglais, tu peux utiliser Google Traduction pour traduire une vidéo en français, en anglais, n'importe quelle langue sur Google Traduction. Alors, pour encore être plus convaincant, va sur une chaîne de ton YouTubeur ou de ton influenceur préféré, télécharge une de ses vidéos, une de ses photos, va sur ce site, mets sa photo, mets sa voix et crée un test, le test de la vidéo où il a de sa dernière vidéo, tu traduis en anglais et tu télécharges la vidéo sur le site, tu pars, tu l'envoies soit à travers son email, soit tu l'écris sur son compte directement, ça peut être son compte Facebook, Instagram, etc. Tu l'envoies la vidéo. Quand il va voir cette vidéo, il sera ébloui et c'est comme ça que tu vas gagner ton premier marché. Par contre, moi, si j'avais assez de temps, ce que je faisais, je suis preneur. Je suis preneur. À l'immédiat, tu vois un truc comme ça, il va être énormément surpris. Et vous pouvez en profiter. Le compte TikTok, c'est Editech. Allez sur YouTube, voici une de ses vidéos qu'il a déjà eu à réaliser, etc., etc. Mon ami, je t'assure que grâce à ce business, tu peux te faire énormément d'argent et sans sortir de chez toi. Je t'assure. Alors les gars, voilà un business que je te conseille, que je vous conseille fortement. Comme bonus, le dernier business que je vous propose, c'est d'être coach personnalisé. Je vais vous expliquer. Alors là, vous pouvez faire du scouting. Vous pouvez faire le coaching en fonction de votre spécialité. Par exemple, ça ne demande pas beaucoup de talent. Hein. Il vous suffit juste, vous pouvez faire des recherches sur Google, de trouver des thèmes, des problèmes vraiment qui écœurent. Par exemple, je prends l'exemple, comment éviter de faire en sorte que l'enfant vous réveille plusieurs fois dans la nuit. Comment se comporter avec l'enfant, comment faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, pour que l'enfant évite de vous déranger la nuit. Par exemple, c'est pas sûr que ça marche à 100%, mais juste que faites énormément de recherches pour que lorsque vous donnez un coaching à quelqu'un, et les gens sont prêts à payer des millions pour ça, des centaines, voire même 1 500 € pour un coaching. Alors ici, le principe est simple. Allez sur le net, sur internet, vous faites des recherches. Par exemple, vous pouvez faire du coaching, comment dresser un chien, ou bien comment faire en sorte qu'un chien aboie plus gros, qu'est-ce qu'il faut faire quand un chien aboie beaucoup. Vous faites des vidéos, vous mettez sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et si vous, pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience en montage vidéo, ou bien tous ceux qui veulent avoir une formation, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je vais vous faire former en ligne en montage vidéo. Comment monétiser sa chaîne YouTube, comment créer une chaîne YouTube de A à Z et gagner de l'argent avec. Alors revenons à nos moutons ou cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description pour intégrer mon groupe de formation sur WhatsApp. Alors revenons à nos moutons. Alors je disais le coaching. Là, quand un parent va vous contacter parce que son enfant dérange toute la nuit et il veut une solution par rapport à ça, essayez d'abord de vous mettre à la place de cette personne. Essayez de toucher les points sensibles. Essayez de faire comme si vous-même vous avez déjà eu à traverser cette situation pour essayer de mettre le client en confiance. Que ah oui, il se connaît sur la chose. Une fois que vous avez mis le client en confiance, alors c'est à vous de jouer. Donnez-lui des astuces. Que par exemple, si le bébé pleure la nuit comme ça, c'est parce qu'il a besoin de ci, c'est parce qu'il a besoin de ça, ou avant de dormir, ou chaque soir à partir de 18h, faites ci, faites ça, pour que votre enfant n'ait pas besoin de tel, n'ait pas besoin de ci,
toute la nuit avant de... N'ai pas besoin de ci, n'ai pas besoin de tel avant de déranger la nuit. D'essayer de trouver des points vraiment sensibles où vous allez toucher, percuter l'attention des locuteurs, ceux qui vous regardent, ceux qui vous suivent. Faites des vidéos, sensibilisez à travers des vidéos. Choisissez un sujet où il n'y a pas assez de personnes. Coaching en développement personnel, il y en a plusieurs personnes qui font le coaching en développement personnel pour essayer d'éveiller la mentalité des gens à se lancer, à arrêter de dormir. Alors, essaie de sélectionner une niche et case-toi, concentre-toi sur cette niche, mon ami. Je t'assure que tu vas gagner énormément d'argent. Alors les amis, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Ça fait énormément plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Sur cette chaîne, je partage des astuces et des business qui vont t'aider à être indépendant financièrement. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, clique sur cette vidéo va t'aider, j'en suis sûr. Clique sur cette vidéo, on se dit à très bientôt de l'autre côté.